Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade. Aujourd'hui, épisode 7.1, où on va continuer de mettre en place les rapports de masse. On va s'occuper de finir le décor dans le tunnel qui se trouve dans le module 218 où il y a la gare. Et je vais commencer à modifier les traverses d'une voie avec un gabarit de traverse. Ce gabarit de traverse est fourni par l'un de nos partenaires du projet Nomade, à savoir la société Mu Junction, qui m'en a envoyé plusieurs. Et donc là, ici, on a différents gabarits de traverse. Moi, je vais en utiliser un en particulier, c'est le gabarit Est, 12 mètres 17 traverses. Mais comme je peux vous montrer, donc le gros avantage de ce gabarit, c'est que on place les traverses, et ensuite après on a le bon écartement. Donc là par exemple vous avez la version est, ensuite après il y a une version nord. Alors ça c'est pour toujours la gamme de voies PECO. Ensuite après on a une version PLM 12 mètres asymétrique T-Lig, voilà. On en a ensuite une version symétrique, ça c'est pour la voie T-Lig, ensuite une version PO. Donc il y a différents gabarits de traverse en fonction des différents des anciennes compagnies que vous pouvez trouver sur le shop de Mu Junction. Je vous mets le lien en description. Donc tout ça, ça va nous permettre de pouvoir continuer le travail sur ce module-là. Il y aura aussi du travail fait sur d'autres modules au sein des différentes vidéos qui vont venir dans les semaines qui viennent. La prochaine vidéo du projet Nomade qui arrive juste après celle-là, ça va être un unboxing de l'ensemble des produits que j'ai reçus par notre partenaire Mu Junction. Et je vous mettrai évidemment tous les liens en description. Alors là, sur la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer l'aménagement du tunnel qui sort de façon surélevée. Hein, si vous vous en souvenez pas, je vous montrerai un petit peu un plan large. Et puis, on va se mettre en place les différents éléments et commencer la préparation de la modification du rail flexible pour pouvoir ensuite, après, le poser les alimentations et le raccord intermodule. Ça sera dans une prochaine vidéo. Eh bien, je vous propose de regarder ça tout de suite et puis on se revoit à la fin. Donc là, ce que j'ai fait est sec, donc maintenant je vais pouvoir appliquer le dernier passage pour obtenir la couleur de grès. Et après, on fera un petit peu de vieillissement. Donc là, c'est un lavis. Donc c'est une peinture qui est très très diluée, qui va être passée en lavis. Et qui va venir égaliser un peu tout ça. Alors le principe des peintures en lavis, c'est de venir déposer du pigment sans forcément couvrir complètement l'ensemble de ce qui avait été peint en dessous. Donc en fait, ça agit un peu comme une modification du pigment qui a été appliqué sans véritablement dénaturer le travail. Donc ça c'est une correction en fait de pigmentation que je fais là.
Et une fois que ce sera sec, on viendra faire les brossages à sec foncés, parce qu'on est dans un environnement clos. Et évidemment, les vapeurs de charbon viennent modifier encore l'aspect de ce qu'on va avoir ici. Hein, donc l'objectif vraiment, c'est de venir changer localement la teinte qu'on a ici avec donc cette couleur qui est un jus qui va venir atténuer le rose et le pêche et le marron et uniformiser un petit peu. Voilà. Une fois que ce sera sec, parfois on peut avoir envie de refaire un deuxième passage de la vie. Ça ne pourra se voir qu'au moment où ce sera complètement sec. Et à ce moment-là, on pourra vraiment apprécier si effectivement un deuxième passage est nécessaire ou pas. Donc pendant que ce soit que ça sera sec, je vais replacer ici. Je vais m'occuper de peindre un petit peu l'arrière. On va créer des arches après avoir posé la voie. Enfin, on va commencer à créer les arches maintenant, mais on ne fermera pas tant qu'on n'a pas posé la voie. Et pour ça, je vais avoir besoin de un morceau que j'ai déjà préparé ici. Voilà, et on va venir faire des découpes pour faire un emplacement pour pouvoir à la fois garantir la structure et garantir le passage de la main sans trop de problèmes. Donc là, normalement, on a une plaque qui vient ici, qui n'a pas encore été fixée, qui devrait être fixée. Et pour ça, j'attendais d'avoir placé les différents éléments et les peindre, mais ça nous donne une bonne référence. Alors ça va être ensuite après peint pour protéger la surface, mais ça se fera l'objet des finitions un petit peu plus tard. Donc là, maintenant, on va regarder un petit peu comment on va faire nos sorties. Je sais d'expérience, que vous soyez droitier ou que vous soyez gaucher, qu'il vous faut à peu près 15 cm pour pouvoir placer la main et replacer un modèle qui est déraillé. Donc si on se place comme ça ici, on peut dire par exemple que on va commencer à 6 cm ici. Donc on va faire un premier pilier de 6 cm et ensuite après, comme on a une longueur à peu près de 42 cm, eh ben, si on se place là, on peut dire par exemple qu'on va mettre à 22, 22 plus 6, ça fait donc 28. Voilà. Et ensuite, on est à peu près bon ici. Voilà. Donc, si on se positionne correctement et qu'on reporte les valeurs, ce que j'aurais dû les reporter ici, on va donc avoir un premier pilier ici, un deuxième pilier ici, environ, et la suite du décor ici. Donc ça va permettre de pouvoir garantir un élément de sécurité. Donc, on va tout de suite commencer à découper dans le styrodur un
un premier élément de 6 cm qu'on va venir placer. Donc là, comme je veux que ce soit bien collé, je vais utiliser de la foam tech glue. Pas besoin d'en mettre trop. Voilà. Donc je vais prendre le premier élément et je vais le coller ici. Ensuite, vous allez voir pourquoi je vais faire ça, parce que je vais venir les aménager ces espaces. Et pour ça, il faut que je mette la structure. Donc là, on a dit, pareil, 6 cm. Donc, on va se couper un deuxième morceau. Voilà. Voilà, on va le placer. Pareil. Pas besoin d'en mettre trop. C'est une colle qui colle très bien le styro dur. Donc voilà. Donc là on voit bien. Et puis on va ici ensuite prendre un espace supplémentaire. En attendant qu'on fasse ensuite après les modifications sur le strike. Si je fais tout tomber. Donc, je vais mettre encore un petit peu de foam tape glue. Que je vais lisser au doigt. Alors, j'ai été un petit peu généreux. Peut-être un petit peu bouger les choses parce que là j'ai mis 16 et là j'ai mis 13, donc on va légèrement décaler comme ça. Ce sera peut-être plus opportun. 14,5. Encore un tout petit peu. Voilà. C'est pour placer. Voilà, là on est bon. Donc, bah je vais continuer à découper mes morceaux. Et à placer les différents. Les différents piliers. Là, je sais qu'il me faut 1, 2, 3, 4 pour arriver au même niveau. Donc, on va faire ça. On va en couper 6, 12, 18. On va en couper quelques-uns. Hop. Allez, c'est parti. Un petit peu de colle. Encore une fois, on n'a pas besoin d'en mettre trop. Ce qu'il faut, c'est vraiment s'assurer qu'on est bien
droit ici. Voilà. Et bon, faut encore un. Et voilà. Donc ça, le premier pilier, il est mis. Allez, hop. Suivant. Voilà. Et le dernier de ce pilier. Voilà. Donc là, on commence déjà à voir un petit peu le... la perspective que ça nous offre. Et ensuite, après, on va venir aménager avec du torchis, ici, les parties qui sont autour du pilier pour les leur donner un aspect rocheux qu'on va peindre, ce qui permettra de pouvoir poser la voie. Parce que c'est quand même l'objectif. Donc, le fait de penser un petit peu au décor, aux parties non visibles pour le spectateur, alors que ça sera visible par soit du côté technique, soit quand on utilisera des wagons caméra. Ça montre qu'on a apporté un soin qui n'est pas uniquement depuis le point de vue du spectateur, mais aussi depuis le point de vue de la maquette. Et il y a beaucoup de modélistes qui vont avoir tendance à négliger justement le côté derrière et les côtés non visibles de leur maquette. Ce qui est vachement dommage, parce que du coup, quand on utilise des dispositifs immersifs, on peut beaucoup moins bien apprécier le travail, surtout quand on a des gares cachées ou des endroits de circulation qui sont cachés par rapport à l'audience habituelle, mais qui sont quand même visibles depuis le point de vue du train. Or, ces dispositifs-là vont être amenés à se généraliser, donc c'est important d'en prendre compte quand on fait la construction de son réseau. Voilà, je vérifie que je suis bien placé. On va attendre que ça sèche. Et donc, ça va permettre aussi de refaire un passage, d'attendre que cette partie-là sèche, de refaire un passage de la vie.
c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Vous avez vu qu'on a travaillé pas mal sur la partie arrière du module 218, justement pour pouvoir terminer et bien avancer plutôt le tunnel, et donc pouvoir ensuite terminer le relief qui se trouve au-dessus du tunnel. Et une fois que ce relief sera complètement terminé, et bien à ce moment-là, on pourra procéder à la mise en place du décor. Je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wissenheim, et vous avez été très nombreux à me réclamer à juste titre des vidéos du projet Nomade. Et comme je vous l'avais dit, pendant le mois d'octobre, c'est essentiellement sur le projet Nomade que va être concentré l'essentiel des vidéos qui sortent sur la chaîne Bienvenue à Wissenheim. Encore énormément de remerciements pour toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee pour m'aider au financement du projet et permettre de pouvoir notamment acheter le matériel qui n'est pas fourni par les partenaires. Il rend quand même pas mal de choses. Et puis moi je vous dis soit à demain pour l'unboxing, et sinon n'oubliez pas, vendredi on refait un point dans le live à 21h qui sera un espace commentaire pour les réalisations du projet Nomade. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, nuit, matinée, en fonction du moment où vous regardez les vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et surtout, n'hésitez pas, si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao !